le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul action. J'y suis allée deux fois pour essayer de trouver du double face, mais chez nous ils sont en rupture. Pourtant j'avais fait un bon stock, mais je l'utilise tellement que j'en ai plus du tout. Donc je vais faire des allers-retours cette semaine pour essayer d'en trouver. Voilà. Je suis désolée si j'ai une petite voix ou une voix cassée. Moi et mon fils on est malades. Ce week-end on s'est retrouvés tous les deux aux urgences. Mon petit loulou, il avait une otite et une rhino, et moi, ben, une rhino, donc voilà. Mais là, ça va beaucoup mieux. Il est à la crèche aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai plusieurs vidéos à vous tourner. Je ne sais pas si je pourrais les faire toutes maintenant. Donc, chez Action, pour commencer, je me suis acheté une petite corbeille comme ceci. En fait, c'est pour mettre dans la salle, pour mettre les jouets de mon fils. Donc, elle est déjà utilisée. Bien sûr, il a tout rangé dedans. Enfin, maman a tout rangé. Voilà. Et en fait, j'ai acheté une boîte. Ça, c'était 4 euros, moins de 4 euros. Et je lui ai acheté une boîte avec 80 Lego comme ça. Donc, c'est les gros. À moins de 10 euros. Donc, voilà. Bon, il les a ouverts. Hein, parce que dès qu'il a vu la boîte, il était tout content. Il voulait jouer avec. Ensuite, je lui ai trouvé trois petits bavoirs de Noël. Donc, ça, c'était 1,99 €. Donc, je ne sais pas. Je vais vous allumer la lumière. Attendez 2 minutes. Peut-être vous y verrez un petit peu mieux. Voilà. Donc, trois petits bavoirs. Donc, on a le petit ourson. Ils étaient à 1,99 €. Et c'est à scratch. Ils sont bien épais. Ensuite, j'ai trouvé un gris avec le petit Père Noël. Je trouve ça bien sympa. Et j'ai essayé de lui trouver des chaussettes de Noël et un petit pull de Noël. Donc, je ne sais pas si je vais trouver. Et ensuite, je lui ai trouvé en vert, comme ceci, un cerf et un petit papa Noël. Donc voilà, 1,99 € le bavoir. Donc ça va aller à la machine à laver. J'attendais de faire la vidéo. Ensuite, alors, j'ai un nouveau projet. C'est de faire, alors, des bougies moi-même. Donc des bougies parfumées et des bougies où, vous savez, je vais mettre un petit bout de papier alu. Et je vais emballer un bijou dedans que je vais mettre dans ma bougie. Voilà, donc j'ai acheté des petits bocaux comme ceci, donc ils sont à moins d'un euro, hein. Donc ça, ce sera juste pour tester au début. J'ai acheté ceci, alors je vais vous montrer comment ils sont, j'en ai ouvert que un, voilà. Donc normalement, c'est des petits pots à épices, mais moi, je vais les utiliser pour mes bougies parfumées. Hop, et ça sera des bougies naturelles. Donc j'en ai pris deux comme ceci. Et j'ai pris un lot, donc là, ce sera pas pour mettre des bijoux, hein, parce qu'elles sont toutes petites. Les bougies bijoux, j'y ferai sûrement là-dedans. Donc voilà, c'est des tout petits pots comme ceci, avec le petit fermoir comme ceci. Et là, vous en avez une, deux, trois, quatre, et c'était moins de 2 euros. Voilà pour ceci. Ensuite, j'ai trouvé deux blocs de papier. Alors, je cherche les blocs basiques et puis vintage, je ne les ai pas encore trouvés. Donc, j'ai trouvé celui-ci. Donc, c'est du combien la taille? Je sais plus combien ils font. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Donc, un peu plus de 14 et demi sur donc 21. Ouais, 21 sur un peu plus de 14 et demi. Donc, on a celui-ci. Donc, c'est celui-là. Donc, avec des donuts, je me suis dit pour un anniversaire, vous avez une, deux, trois, quatre fois le même. On a celui-ci. Celui-ci. On a les cupcakes. Je suis désolée, hein, je suis vraiment encore malade. On a les macarons roses. Des petits cœurs. Comme ça pour la Saint-Valentin. Des petites fraises. Et des glaces. Voilà. Donc, ça, c'était 1 euro et quelques, il me semble. Je n'ai pas fait attention, puis ça fait un petit moment, ceux-là, que je les ai achetés. Ensuite, on a celui-ci sur les tons de violet. Donc, on a des petits branchages comme ceci. Celui-ci. Des petits pois. Voilà, c'est du feuillage. Je l'aime moins, celui-là. Celui-là, je le trouve trop beau. On a celui-ci, ça fait un peu baroque. Enfin, à mon avis, à moi.
On a du feuillage violet et des petites taches. Donc voilà pour celui-ci, je l'ai trouvé bien sympa. Ensuite, j'ai enfin trouvé, donc je l'ai cherché partout, vous les avez déjà dû les voir. Donc c'est un petit bocal comme ceci. Donc je vais le laisser comme ça, puis je vais pas y arriver à le refermer. Bah alors. Voilà. Donc voilà, un petit bocal comme ceci avec plein de petits tampons. Donc je vais vous en montrer quelques-uns, de toute façon vous les avez déjà vus. Donc on a des petits pots d'encre argenté et or. Je verrai ce que ça donne. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Oui, c'est là. Donc ça, je vais mettre à la poubelle, hein, le sachet très très dangereux. Voilà, donc je vais en sortir quelques-uns pour vous les montrer. On a la petite moufle. Il y en a d'autres hein, dedans. Je vois qu'il y a une tête de cerf, du houx, je ne vous ai pas tous montré. Hein. On a le petit bonnet, une petite étoile. Alors moi, par contre, je crois que je me suis fait avoir parce qu'ils sont tous décalés, les... Un petit sapin, regardez. C'est tout décalé. Là, en avant, une petite couronne. Bon, après, je me dis que c'est juste pour mettre un petit tampon par-ci, par-là. Une petite étoile. Sapin. Un petit bonhomme de neige. Pierre pour mettre sur les enveloppes. La canne à sucre. Un petit cerf. C'est à 1,99€. Le petit flocon de neige. Une étoile. Hop, la boule de neige. Enfin, la boule, mais. Ils sont tous décalés. Hein. Encore une boule. Encore un sapin. Une cloche. Et une boule. Voilà. Donc, un peu ce qu'il y a dedans. Ça va à la poubelle. Et pour terminer ce haul action. J'ai repris du cardstock comme ceci, donc vous avez toutes ces couleurs-là. Je vous les montrerai rapidement. Hop. J'aime bien parce que c'est du papier uni. C'est du combien de grammes? 220 grammes. Donc on a un verre comme ceci. Donc à chaque fois vous en avez deux. On a du beige. Donc là ça ressort blanc, mais c'est du beige. On a un jaune. Donc jaune clair, jaune plus prononcé, donc un peu plus foncé. Du orange. Le rouge, donc ça fait bien rouge Noël. Du rose. Rose clair et rose foncé. Violet. Donc violet pâle, on va dire violet pastel et violet foncé. Par contre, j'ai pas fait attention, mais il n'y a pas de vert. Du bleu comme ceci, pastel. Ah, il y a du bleu foncé, mais taché. Et voilà. Non, on n'avait pas de vert, donc il faudra que je regarde pour essayer de trouver du vert. Tout ça, c'est du vert pastel, ça fait pas de Noël. Donc voilà ce que j'ai pris chez Action. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.